Yo la team, comment vous allez? Vous allez bien? Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo spéciale Ramadan, en pleine dégustation de plats, des plats qu'on peut manger au quotidien ou pendant le Ramadan. Ça, c'est un pain fait maison que ma mère a fait, que j'ai ramené. Là, je vais couper mon jeûne, c'est l'heure de mon côté, donc je vais couper le jeûne et on se retrouve tout de suite après pour la vidéo. Team, comment vous allez? Vous allez bien? Et ben aujourd'hui, comme je vous ai dit, on se retrouve pour un plat typique pendant le Ramadan. On peut manger de la shorba, la harira, ça dépend des familles. Moi, j'ai opté pour fricassé fait maison. J'ai rajouté du fromage. Fromage, œuf, il y a une petite salade. Franchement, ça va passer crème. Fait maison, c'est ma mère qui m'a fait. Et après, il y a une shakshuka. Shakshuka, chez nous, c'est qu'il y a plusieurs légumes, des poivrons, des oignons. Et il y a supplément œuf. Qu'on met d'habitude et merguez. Et voilà, c'est parti, on va goûter. Ça, ça se mange avec le pain, mais aussi fourchette. Et ça, c'est parti, let's go. Et bon appétit à tous. Surtout pour ceux qui font le Ramadan, parce que la vidéo va être postée le jour, pendant le mois de, un samedi, pendant le mois du Ramadan. C'est parti, bismillah. Coquito, coquito. Je sais pas si on voit bien. Ouais, le thon, magnifique. Cornichons, pommes de terre. Je vais pas tout vous filmer, mais au moins, on va faire déguster avec moi. Le fricassé, quand c'est fait maison, c'est la base. La base. J'ai mis de la musique en fond pour faire dire que c'est Ramadan. Mais j'espère que c'est pas copyright. Franchement, j'espère que vous passez un bon mois de Ramadan. Pour ceux qui font le Ramadan. Ceux qui ne le font pas, merci de respecter ce mois-ci, merci, parce que nous on respecte toutes les religions. Passons à celui-là. Le shakshuka, pour moi c'est la meilleure chose, avec le pain fait maison. Magnifique. C'est parti, bismillah. La sauce, un peu de merguez. Incroyable. Pour la santé, c'est magnifique ça. Piment est pas trop fort et tout, hein. Ça glisse tout seul. Ça glisse tout seul. C'est rare que je vous propose des plats à sauce. Tout le temps, c'est du fast-food, mais franchement... C'est très délicieuse. Ma banne, yati comme ça, wallah. Vraiment, haja le top. C'est magnifique. C'est trop bon. C'est somptueux. Le pain est mou. Le pain se marie bien avec la sauce.
N'oubliez pas 5 fruits et légumes par jour, du sport, et la vie est belle. Franchement. Même avec la fourchette, hein. Je veux dire, exemple, t'es pas trop peint, hop, tu trempes avec la fourchette, ça passe crème. Regarde, hop, tu fais comme ça, tu prends un peu de tout, hop. Ça passe aussi bon. Mais on va finir quand même le pain de la mama, parce qu'on fait tout pour la mama. Pour la mama, la mama. Comme dirait Mr. V ou je sais plus qui, on fait tout pour la mama. Et là, normalement, Bilal, il aurait mis la ref du clip tout pour la mama. Non. Bilal, t'inquiète, je t'aiderai si tu trouves pas. Quelques secondes, hein. On va pas se faire copyright quand même. Attends. Tout pour la mama aussi, l'oseille, hein. Coquito Boricua. Bon, moi, je vous laisse finir votre ramadan. Parce qu'en plus, le jour où je poste la vidéo, bah, vous allez me tuer. Je vais la poster entre une des deux. Un jour où vous faites le ramadan. Mais faut pas m'en vouloir, hein. Soyez contents pour moi. Allez, bis la team. Ciao. Niquez vos mères. C'est bon. Bon, moi, allez, je vais chercher la pizza et les macaronis. Les macaronis, t'as mis sale, ça. Niquez vos mères. C'est bon. Niquez vos mères. C'est bon. Au revoir.